dans ce cœur de village, il manque quelque chose, quoi. Il manque ce lieu où les gens peuvent venir pour se retrouver. Comme vous le savez bien, une auberge, un café, un restaurant dans un village, c'est un point de rassemblement, c'est un point où les gens se rencontrent. Nous avions municipalité à cœur de fédérer une action justement avec 1000 cafés pour permettre de retrouver cette vie qui était un peu perdue. On a beaucoup d'associations dans le village qui se démènent, qui se mobilisent, etc. On a beaucoup de choses qui se font dans le village avec la participation des habitants. On a une vraie démarche de consultation citoyenne pour tous nos projets, etc. Donc c'est historique. Et donc ça, c'est une particularité du village et ce qui rend d'autant plus important d'avoir un café. C'est le lieu où le débat se fait, c'est le lieu où les échanges se font. Et c'est pour ça qu'on y tenait vraiment. À Fercy-sur-Sarthe, avant notre arrivée, il y a eu déjà une enquête habitant qui avait été réalisée. Donc sur cette base-là, on a pu affiner les besoins en multiservices pour ce lieu-là. L'objectif, c'était de recréer un lieu de convivialité, donc sur la base socle d'un café, bar, restauration légère, mais aussi d'y créer et d'y apporter d'autres services, que ce soit un dépôt colis, dépôt de pain, épicerie largement demandée par les habitants, et puis aussi des animations pour vraiment faire de ce lieu un lieu de vie pour tous. J'ai grandi ici, donc j'ai plein de souvenirs dans ce village, à l'école, dans le cœur du village, au café, qui s'appelait à l'époque l'Auberge du Pêcheur. C'est un beau village, un village dans lequel beaucoup de gens se connaissent. Un café dans un village comme le nôtre, c'est important parce que c'est un lieu de rencontre. Et moi, j'aimerais vraiment que des jeunes du village puissent se forger aussi des souvenirs similaires, de voir en ce café un lieu de fête, un lieu de convivialité, que tout le monde puisse vivre ce genre de moments tels que moi, j'ai eu la chance d'en vivre et que cette histoire puisse perdurer avec ce nouveau café qui va ouvrir. Le café est bientôt prêt, les travaux avancent et on espère que l'ouverture pourra se faire fin d'année 2020. Il y a un café dans mon village. Il y a un café dans mon village. Il y a un café dans mon village.